va y aller discretos. Vu comment on se fait déboîter, mais comme un rien. Oh. Voilà. Et du coup, eh ben, on va les bouffer. Réduit la vigueur. D'accord. Mais bon, généralement, mais ça va pas durer longtemps, ça. Voilà. C'est déjà réglé. Ah ouais, ouais, vous voyez. Quand on utilise les matériaux bruts comme ça, les effets sont pas très forts. Et ils ne durent pas très longtemps. Donc c'est pas très grave. Hein. Il n'y aura pas de grosses conséquences. Ah. Et l'autre qui y va comme un bourrin, tu sais. Enfin, lui il est déjà niveau 10. Hein. Ah merde. En cercle. Ah merde, on se casse, trop tard. Ah merde. Ah, j'avais vraiment pas vu l'autre. Je me suis dit, ah c'est bon, il y a personne, je peux faire une percée. Mon fion. Bref, l'oratoire. On va essayer de trouver un autre chemin. Okay. Vous vous amusez comme vous voulez, hein. Donc, c'est vers le sud. C'est par là. Hop. Ninja. Au fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait une... que j'ai là eu une amélioration de la furtivité, par exemple, le fait de marcher comme ça. Non, ça sert d'être une très mauvaise idée de passer par là. Oh, ah, j'ai dû faire un dash sans faire exprès, parce que ça j'ai pas encore l'habitude. C'est à dire qu'effectivement, oui, dans le jeu, contrairement aux autres, on peut faire des dashs dans les quatre directions, à l'avant, voilà, sur le côté et vers l'arrière. Enfin, là j'avais pas assez de vigueur, ça bouffe de la vigueur, mais c'est ce qui... C'est pour ça aussi que j'améliore aussi la vigueur plus que la magie pour l'instant. Parce que pour l'instant, en l'état, la vigueur ça m'est plus immédiatement utile que l'augmentation de la magie. Oh, un serpent. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va aller à ce putain... Un crocodile ? Là, j'essaie de me rappeler quand est-ce... Si j'ai déjà vu un crocodile dans ce jeu, et enfin dans les Elder Scrolls, je veux dire de manière générale, et franchement, ça ne me dit rien. D'accord. Il y a des sources d'eau pure dans l'eau. Oui, c'est... En même temps, c'est assez logique. Merde! Oh là 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 là
Cette infiltration, cette infiltration. Tout droit, ça a l'air d'être bon. Mon objectif, il est par là-bas. Mais je peux pas me permettre de passer trop près de cela. Donc il va falloir faire un détour. Oh la vache. Voilà, j'ai fait un dash arrière sans le vouloir. En fait, il faut taper deux fois d'affilée, très rapidement, sur la touche avant, arrière ou sur les boutons de strafe. Ah, le donjon de Dressin. Bon, on va profiter de l'avancée de ceux-là. Voilà, qui vont nous faire une petite percée. Ah! Ah, ça va pas être simple hein. On va essayer de passer par là. Oh, la recrue Gorak. Ah, mais c'est notre c'est notre orc. Ouais, peut-être qu'on essaie de le libérer. On va essayer d'y aller discretos. Hey! Salutations, citoyens. Salut. Je viens de vivre une mésaventure. J'aurais bien besoin d'un peu d'aide. Allez, raconte-moi tout. Ces crétins de sangrépine m'ont tendu une embuscade. Hein? Alors que j'étais chargé d'une mission de la plus haute importance, ils me sont tombés dessus par douzaines. Mais je me suis battu bec et ongle. Et la garde du lion, elle va faire quoi sans moi? Ne t'inquiète donc pas pour ça. Alors c'est quoi cette mission importante? L'orque qui se tient de eux, qui est assis devant vous, représente l'avenir de la garde du lion. Oh. Je suis le soldat Gorak, fierté de la nouvelle Orsinium. Mm-hmm. S'il vous plaît, détachez-moi. Nous avons du pain sur la planche. Nous devons récupérer la dépêche du général et retourner auprès du capitaine Vistra. Nous, ça veut dire que tu veux venir avec? Ok, ok, bouge pas. Les adeptes de Sangrépine m'ont flanqué une bonne raclée. Je vous serai pas d'une grande utilité au combat, mais je vous encouragerai. Ah! Super. Alors? Montrons-leur ce qu'on vaut à ces adeptes de Sangrépine. Je peux te poser quelques questions avant? À votre service, l'ami. Alors, pourquoi t'es là au juste? Pour faire mes preuves. Il y a quelques jours, un messager a disparu dans ses marais avec une dépêche du général Gautier. Personne n'a eu le courage de s'y aventurer, à part moi. Oh, et vous, apparemment. On fait une belle brochette de stupides. Alors, combien est-ce qu'il y a d'orques dans la garde du lion? Non, pas beaucoup. L'alliance qui unit Orsinium à Altevoix est assez récente. Ah ouais. Les orques ont passé plus d'années à combattre la garde du lion qu'à la soutenir. Ouais, j'imagine. J'ai bien l'intention de prouver la valeur de mon peuple. Ouais, je vois. Ouais, je commence à comprendre. Mais en tout cas, vous avez l'air assez différent des orques que j'ai croisés jusqu'ici. Vraiment? Oh oui. Je suis le parangon de mon peuple, et l'incarnation parfaite de l'essence des vrais orques. Bref. Je suis exactement ce dont la garde du lion a besoin. Ah, ça, vous avez vraiment l'air très décidé. J'ai grandi en lisant les aventures de la garde du lion. Oh. Ma mère collectionnait les livres à son sujet quand j'étais gamin. Des ouvrages tels que Le rugissement du lion, Gardien du cœur et Pour l'amour d'un lion. Je les ai tous lus. Et j'ai tout de suite su que c'était ça que je voulais faire. Ah, la littérature de chevalerie. Ouais. Ça me rappelle un chevalier à la triste figure. Soit, allez. On est parti. Alors maintenant, on va aller vers où? Je suis censé le ramener? Je suis censé faire quoi? Attends, journal. Je m'en fous. Quête.
Ça, je m'en fous. La fierté de la gare de Lyon. Il a besoin de mon aide pour retrouver la missive du général. Et nanana, on dû la cacher dans leur camp. Ah, d'accord, faut chercher la. Elle est quelque part dans le camp. Ok. Autant pour moi. Ah ben, on va chercher, hein, mon pépère. On va chercher. Alors, attends. Du sirop de sucre? Oh. Vide. Rien. Ah, on peut pas rentrer là-dedans. D'accord. Quelque part par là. Ah merde. Bon sang de bois. Riz au sel. Chef adoré. Notre camp dans la clairière. Oh merde, 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 merde. Ah, je m'en doutais un petit peu, hein. Je pensais que j'avais retrouvé la lettre, mais a priori c'était pas ça. Sur place. On va tenter sur place. Alors je sais pas si c'était ça. Ah, il est nouveau accroché lui, d'accord. Je crois que je suis encore tombé dans les bras de la secte de Sangrépine. Ah, t'inquiète, on va sortir de là. Bon. Les adeptes de Sangrépine m'ont flanqué une bonne raclée. Je vous serai pas d'une grande utilité au combat, mais je vous encouragerai. Ah, t'as raison. Oh putain. Je vois où elle est. Juste à côté de l'autre, là. Surveillé par l'autre, là. Donc il y en a deux. Alors, je vais faire le tour, je vais voir un petit peu combien ils sont. S'ils sont deux à niveau 9. Ah non, ils sont trois. Ok. Stratégiquement, qu'est-ce que je peux faire? Stratégiquement, j'ai pas énormément d'options, hein, je veux dire. Attends, voir. On va tester un truc. On va tester un truc. Inventaire. Arme. Le fouet de la sentinelle. Essayer ça. D'accord. Ça ne sert à rien pour la discrétion. Non, ça ne sert à rien pour la discrétion. D'accord, je me suis fait repérer tout de suite. Bon, c'est pas grave. Là, ce coup-ci, on va plutôt retourner. Ah non, merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je me suis trompé. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. On va repasser vite fait par le pont là. Hop. Hmm.
On va essayer de faire une autre quête qui... parce que là, trois adversaires de niveau 9, ça pue.